Le dernier niveau, l'antre du dragon. Qui fait... Moi, ça me fait furieusement penser... Enfin, rien que le début déjà. Au début du dernier niveau du premier épisode de Doom. Tu sais, tu commences dans une salle, il y a des bonus. Puis après, t'as une arène. Bah là, c'est ça. Putain, je vais en chier. Là. 58 grenades. Vais essayer un truc. Ah bah ça marche. En fait, on peut les tuer sans qu'ils se réaniment. Avec 4 grenades. Ouais, par contre, là, ça marche plus. Hein. Alors le problème de la M16, c'est que je peux pas tirer en sautant avec. Bon bah ça marche. Ah, c'est de la triche, hein. Je le conçois parfaitement, mais... Mais le jeu est vraiment pas sympa avec moi, donc... Est-ce que je peux viser comme ça? Non. Faut vraiment... Voilà, ça c'est fait. Contre la porte est... Ah oui, il y a un autre levier là. Donc la porte ici est ouverte maintenant. Et là. Pas combien ils sont par contre là. J'espère que 4. Oh putain. Non, ils sont 5.
Des soins, des tagadas. Allez. Allez, la plaque mystique. Une ultime sauvegarde, j'espère. Parce que là, normalement, c'est le boss. Je m'en ai tellement chié sur ce niveau-là. Là, c'est presque des réflexes de... Des réflexes qui sont revenus, en fait. Alors là-bas, il y a une porte. C'est vraiment une grande pièce. Ouais, c'est ça, c'est... On envoie chier le level design. Alors là-bas, il y a Bartoli qui est sur... ouais, non, en fait... Il y a plein de trucs là-dessous là. Ils ont mis plein de munitions sous l'eau. On va utiliser la meilleure technique pour affronter ce boss, normalement. J'espère que ça le touche. Parce que sinon, là, tout ce que je fais, c'est en pure perte. Hein. Bon, j'ai pas l'impression, en fait. Ah bah ça marche par contre. Ah! J'ai mouru! Baf! Oui, la meilleure technique pour affronter ce boss, effectivement, c'est la lâcheté. Mais. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je cours partout en me faisant cramer? Non, c'est bon, je vais me planquer derrière un poteau et puis l'arroser. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Mais bon, je sais pas si ça marchait en fait. Normalement, il faut une dizaine de grenades pour le défoncer, et là, c'était pas vraiment ça. Bah, sinon, il y a une autre technique. C'est aux usines, mais normalement, j'ai assez de munitions. Ah putain non. Un endroit plein de munitions, toujours la promesse d'un moment où tu vas en baver. C'est exactement ça. C'était aussi ce que ça voulait dire dans Doom. Donc ce boss n'est vraiment pas une partie de plaisir, alors autant utiliser des techniques de chacal, hein, en quelque sorte, un petit peu pour paraphraser. Ah merde!
Je vais réessayer ma technique de chacal de tout à l'heure. Ah mais ouais, mais j'avance un petit peu en fait en faisant ça, donc il faut que je me faut que je me re OK. Faut que je revienne un petit peu en arrière de temps en temps parce que sinon ça parce que sinon avec le recul elle avance, ce qui est un peu débile pour reconnaître. Oh la vache. Qu'est-ce que je me souvenais pas que ce boss était aussi pénible. Mais bon, c'est un dragon hein, d'un autre côté c'est un peu logique quoi qu'on ait du mal à le buter. Voilà. Et maintenant, il faut aller chercher la dague. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Oh bordel de merde. Et voilà. Ouh. 7 minutes sans compter les morts, mais bon, voilà. C'est un niveau qui est relativement court. Heureusement d'ailleurs. Allez, la cinématique de fin. Ou presque. Enfin, d'abord, je sauvegarde. Ah bah bravo. Bravo, Lara, t'as détruit encore un site archéologique millénaire. Alors les hommes de Bartoli sont vraiment vindicatifs. Ils y viennent, je les attends.
C'est la panic room. Ah ouais, il y a du matos là. Salut, je suis Lara Croft. J'ai plein de trucs dans mon placard. Mais oui, Winston. Par contre, elle a donc elle a l'équivalent de l'armée de l'Afghanistan dans son placard en termes de munitions. Par contre, elle a l'équivalent des hôpitaux de Nouvelle-Orléans en soins. Allez, est-ce qu'on peut sauvegarder dans ce niveau? Oh bah oui, allez! En fait, si ça se trouve, les gars, ils viennent pas pour se venger. Ils viennent pour. Ils viennent parce que. Voilà. Ouais, on est là. Enfin, est-ce que tu pourrais nous aider? Non? On va faire des bisous, des câlins? Non? Bon, ils voulaient pas. C'était pas pour ça. Merci, monsieur. Mais l'équivalent d'un pull à Tahiti. Oui, c'est à peu près ça. Par contre, là, je crois que j'ai pas trop à m'en faire au niveau des munitions. Hein. Si je commence pas à tirer n'importe comment, je vais tous les buter. Ça fait la fin de Scarface. Say hello to my little friend! Bon, d'où qu'ils sont? Est-ce que je peux mettre de la musique pour les... Ouais! Pour adoucir les mœurs. Pour adoucir les meurtres. Je sais pas où ils sont. Ouais, c'est ça, c'est Scarface quoi. C'est les méchants. Les méchants mafieux italiens qui arrivent et puis tu défourailles. Oh putain, par contre, ouais, là il commence à m'asmater méchamment. Ça va pas du tout. Bon. Oui, c'est le même escalier. Par contre, ils sont super sympas les mecs. C'est-à-dire que ils sont rentrés, mais ils ont fermé le portail derrière eux. Bon. Il reste des méchants. Ah, il en restait. Putain, je vois rien du tout.
Et voilà. Vous êtes toujours là? Et c'est la fin de le jeu. C'est beau, non? J'adore cette fin, je la trouve vraiment géniale. Ouais, la voix de Françoise. Ouais. Ah, Françoise. Elle bute le caméraman qui l'a suivi pendant tout le jeu, quoi. Donc c'est toujours Nathan McCree qui fait les BO. Jean-Michel Ringuet. Oui, l'équipe du jeu est sensiblement plus grande que pour le premier. Ils ont un peu plus de playtesters. Mais non, c'est pas Judith Gibbons, enfin, voyons. C'est Françoise Cadol. Voilà, 12h11 sans compter les morts évidemment. Ah, j'ai loupé 18 secrets. Ok. Buter l'équivalent d'un village en fait. Hein. 9999 tirs au but. 59 trousses de soins utilisées. 63 km parcourus. Eh ben, franchement, c'était pas mal.